Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, avant d'aller travailler, je vais travailler pour moi, pour mes feuilles de verveine aujourd'hui. Donc on les a fait sécher. Donc voilà, là elles sont... Celles-ci elles sont encore humides. J'en ai un long qui est complètement sec. Donc je vais le travailler, le mixer. Et le mettre en pot. Suivez-moi. Donc nous voici avec mon appareil fétiche, le fameux mixeur de cuisine. Donc là, tout simplement, je vais prendre mes feuilles qui sont sèches. Vous voyez, on entend plus craquer sous la main que tout à l'heure dans le séchoir. Et là, vu que j'ai déjà tailler la verveine, donc les petits branchages qui restent, ça fait rien, c'est pas ça qu'il faut enlever. Et si vous avez une branche vraiment forte, il n'y a pas de souci, enlevez-la, sinon là, la fin des tiges, c'est pas très très grave. Donc voilà, je vais bien tasser pour dire de tout mettre en une seule fois. Ça fait rien, vous allez voir, ça va bien réduire. Hop, j'ai une feuille d'olivier. Petit mélange. Hop, allez, on se retrouve une fois fait. Je vais vous éviter le bruit. Et voilà. J'en mets un peu partout. Donc vous voyez, pas besoin que ce soit une poudre. Et puis ça, mais du coup, je vais le ranger. Et ça me servira pour des infusions, pour un peu tout, parce que ça a pas mal de vertus. Et me voici dans ma cabane secrète. Donc là, tout simplement... Ouais, dans ton garage, ça va. Oh, fallait pas le dire. Ouais. Mais non, fallait pas le dire. Elle est secrète. C'est mon garage secret. Donc, j'ai mis une petite étiquette. Voilà, je commence déjà à en faire. J'ai de l'estragon, du basilic, de la sauge, de la menthe derrière, du mélisse et mon origan. Donc là, j'ai le thym. Là, j'ai de la verveine, vous voyez, je l'ai laissé en feuilles. Donc ça va me servir à d'autres choses. J'ai de la camomille derrière et j'ai de la feuille de framboise. Je suis désolée, mais on a vu un truc à côté là. Ah mais ça c'est le père ça. C'est son breuvage secret. C'est du pinot des Charentes. Donc vous voyez, j'en ai mixé un plus fort et lui donc il sera un peu moins brassé. D'ailleurs je vais le mettre dans une autre boîte. Comme ça, j'en aurais vraiment du ça pour les tisanes et plus lui pour les infusions. Hop, voilà. Et voilà. Vous voyez, je peux encore en faire un peu. Ça sent bon. Ça sent la verveine. Citronné. Citronné. Donc voilà, à plus pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à liker si vous aimez les vidéos. Oui, merci.